tout ce qu'on a masqué, c'est nos émissions thermiques. Il suffit qu'ils jettent un coup d'œil par un hublot et on se fait repérer. Les hublots sont des failles structurelles. Les guettes n'en utilisent pas. Approchez de la coque à ses coordonnées. Accès accordé, nous pouvons continuer. Alerte, atmosphère et pesanteur ténue, car inutile aux guettes. On ne risque pas de se faire détecter. Il doit y avoir un système d'alarme, non ? Nous avons saturé leur réseau sans fil d'instructions aléatoires afin de paralyser les capteurs. Quel intérêt pour nous ? Pour nettoyer ces données parasites, les hérétiques se sont partitionnés en réseaux locaux exploités en parallèle. Si nous activons une alarme, elle ne sera pas transmise aux autres pièces. Seul l'accès au noyau principal peut alerter toute la station. Okay. On a une mission à accomplir. En route. Administrateur, nous avions conclu que la destruction de cette station était le seul moyen de résoudre le problème des hérétiques. Nous voyons maintenant une alternative. Leur virus peut être modifié. S'il est libéré dans le réseau de la station, les hérétiques seront reprogrammés pour accepter notre vérité. Tuer ou reprogrammer, ça ne change rien. Les hérétiques disparaissent. En même temps, c'est jamais que des synthétiques. Des mécas de sécurité évolués, quoi. Pourquoi t'en as pas parlé avant qu'on monte à bord ? Nous ne savions pas que le virus était achevé, mais c'est le cas. Il peut être utilisé à tout moment contre les vraies guettes. Nous sommes arrivés au moment opportun. Je ne reprogrammerai jamais toute une race, organique ou synthétique. Erreur de logique. Si nous ne les reprogrammons pas, nous les détruisons. C'est le motif de notre présence ici. N'hésitez pas. Ils vont exterminer votre espèce parce que leurs dieux leur en ont donné l'ordre. Vous ne pouvez pas négocier avec eux. Ils ne connaissent ni pitié, ni crainte, ni remords. On peut passer discrètement. Ces guettes n'ont même pas conscience qu'on est là. L'interruption des flux de données alertera le réseau local. Nous conseillons une attaque préventive des routeurs physiques. Nous avons été détectés. Ce matos, c'est du premier choix. Si seulement on pouvait se servir. Nous pouvons prendre le contrôle de n'importe quelle tourelle défensive. Prise de contrôle. Piratage de la tourelle. Ennemi neutralisé. Ah oui, trop bien. Contact Z négatif. Intrusion dans l'IV de visée. Non, c'est moi qui ai fait ça? Cible éliminée. Et... Encore tirer un peu de thune. Je passe en camouflage. Reste un problème à régler.
exécution de la commande sudo. On voit ? On ne voit pas ? C'est bon ça. Ils nous ont vus. Piratage de la cible. Cet endroit fait quelle taille au juste ? La station mesure plus de 15 km de long. Il est possible que cette pièce soit entièrement traversante. Ça pourra toujours servir. Contre la main. 15 km. On l'a déjà fait, je comprends bien. C'est quoi ça ? Des processeurs. Chacun contient des milliers de gates. Ça ressemble pas aux autres concentrateurs qu'on a vus. C'est une base de données. Elle contient une fraction de la mémoire collective hérétique. Attendez, nous avons découvert des copies de nos itinéraires de patrouille actuels dans cette base de données. Ceci indique que les hérétiques disposent de processus dans notre réseau. On ne serait pas là si les hérétiques voulaient faire ami-ami avec les guettes. Qu'est-ce que c'est d'étonnant qu'ils vous espionnent ? Vous ne comprenez pas. Contrairement à vous, chaque guette a accès à l'esprit de tous ses semblables. Le soupçon nous est étranger. Nous acceptons notre coexistence. Les hérétiques souhaitaient se couper des autres. Nous avons compris et validé leurs raisons.
Ça ne pouvait pas durer éternellement. Vous n'étiez pas du même avis sur l'évolution de votre race. L'histoire humaine est une succession de conflits sanglants causés par des divergences d'idéologies hiérarchiques et religieuses. Ce n'est pas le cas des Geths. Le consensus a toujours régné en toutes choses. Comment avons-nous pu devenir si différents? Pourquoi ne pouvons-nous plus nous comprendre? Où est notre erreur? Quand des individus sont séparés, ils se développent différemment. Et quand ils se retrouvent, ils ne s'entendent pas toujours. Si c'est cette individualité que vous prenez, nous remettons votre jugement en question. Mais cette discussion ne sert aucun but. Nous devons reprendre la mission. Tu as pris une décision concernant les hérétiques? Nous essayons toujours de parvenir à un consensus. Certains processus jugent la destruction préférable, d'autres la reprogrammation. En avant. Validé. Je pense que je vais les reprogrammer. Je l'ai jamais fait. Hein. Validé. Prise de contrôle. Dépassement de la mémoire tampon. Annulation. Dépassement de la mémoire tampon. Annulation. Pas compris là. Ah, descendre. On va trouver, Je fais une petite garde. Télécharger une copie de notre système d'exploitation dans le noyau, ce qui supprimera toute installation du virus. Le processus terminé, nous en serons avertis. L'indexage prendra du temps et mobilisera les hérétiques contre nous. Il est crucial de tenir cette pièce. Okay. Nous pouvons prendre le contrôle de certains systèmes internes de la station pour nous défendre. Souhaitez-vous commencer? Oui. À toi de jouer, Légion. On va pas bouger d'un poil. Transfert de fichiers en cours. Administrateur, où souhaitez-vous activer les défenses? Alerte. Activation des architectures hérétiques. Détournement de la cible. Dépassement de la mémoire tampon. Annulation. Activation des architectures hérétiques sur plateforme validée. Détournement de la forêt. Le téléchargement. À toi de jouer, Légion. On va pas bouger. Transfert de fichiers. Alerte. Activation des architectures hérétiques sur plateforme mobile. Alerte. Activation des architectures hérétiques sur plateforme mobile. Piratage de la tourelle. Activation des architectures hérétiques sur plateforme mobile. Thank you.
Localisation des armes. Piratage de la cible. Extraction des données terminée. Administrateur, il est temps de choisir. Faut-il reprogrammer les hérétiques ou les effacer? Ça te dérange pas d'exterminer ton propre peuple? Chaque être doué de raison a le droit de faire ses propres choix. Les hérétiques ont choisi une voie qui proscrit la coexistence. Qu'est-ce qui les empêche d'utiliser le virus plus tard pour revenir à leur état actuel? Nous effacerons le virus après l'avoir utilisé. Nous le jugeons trop dangereux pour en autoriser la pérennité. Pourquoi tu me laisses prendre cette décision? C'est ton peuple. Nos processus décisionnels sont en conflit. 573 demande la reprogrammation et 571 la destruction. Administrateur, vous avez combattu les hérétiques. Votre jugement est plus factuel que le nôtre. Les guettes vous confient leur sort. S'ils sont reprogrammés, ton peuple acceptera de les recueillir? Ils sont disposés à revenir? Ils accepteront notre jugement et reviendront. Nous intégrerons leurs expériences. Nous en sortirons tous plus forts. Alors, reprogramme-les. Quand on contrôlera le noyau... Validé. Libération du virus. Remarque, accès à distance par transmission à gain élevé nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le virus sera envoyé aux hérétiques des systèmes solaires voisins. Cette station diffusera une puissante impulsion électromagnétique par les balises de transmission SLM. Puissante comment? Apports improductifs supérieurs à 1,21 pétawatts. Alerte, flux électromagnétique dangereux pour les êtres organiques non blindés. Précision, l'intérieur de cette station n'est pas blindé. T'aurais pu le dire avant. Retour au vaisseau. Allez, vite! Ils ont vu. Non! Je passe en mode tactique. Je ne peux pas faire ça. Super! La forme de combat ennemi. Et bien voilà, je vous dis à très très vite pour les aventures. C'était un petit épisode, on se retrouve pour l'épisode final très très vite. Ciao ciao! Commandant, Tali est parti tailler une bavette avec Légion. Vous feriez bien d'aller au noyau IA. Je m'en occupe, Joker. Cinématique. Je suis heureuse que vous soyez là. J'ai surpris Légion qui scannait mon Omnitech. Il s'apprêtait à envoyer des données sur la flottille au guet.
Les créateurs effectuaient des tests d'armement et envisageaient de nous attaquer. Nous avons jugé nécessaire d'en avertir notre peuple. Nous avons déjà rendu les guettes plus forts en reprogrammant ceux qui vénéraient les moissonneurs. Je refuse de laisser Légion mettre la flotte en danger en leur donnant d'autres informations. La créatrice Talizora agit par loyauté envers son peuple. Elle était disposée à subir l'exil pour les protéger. Nous devons également protéger notre peuple face aux créateurs. Ne le laissez pas faire, Shepard. Je vous ai fait confiance. J'acceptais de travailler avec un guette dans l'équipe. Mais là, c'est trop. Tali, les expériences de votre père étaient immondes. Si les sujets avaient été humains, j'en aurais informé l'Alliance sans hésiter. Je sais, mais si les guettes la prennent... Ils attaqueront, ce qui provoquera une guerre qui laissera les guettes comme les cariens vulnérables face aux moissonneurs. C'est ça que tu veux, Légion ? Nous avons estimé nécessaire de relayer l'information. Tôt ou tard, il va falloir que vous fassiez une trêve, sinon on va tous traquer. Pour préserver la cohésion du commando, nous ne transmettrons pas les données relatives au plan des créateurs. Merci, Légion. Je comprends ton intention. Qu'est-ce que tu dirais si je te donnais des informations non classifiées à transmettre ? Nous vous en saurions gré.